Eh bien, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. Donc, petite vidéo bonus de la semaine, parce que normalement, il ne devait pas y avoir de vidéo cette semaine, mais j'ai quand même décidé de vous la faire, parce que avec tous les commentaires et toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube, ça m'a donné encore plus envie de vous régaler, tout simplement. Donc, je remercie encore une fois tous ceux qui sont abonnés, qui ont lâché un petit like et un petit commentaire. Un grand merci à vous, voilà. Bienvenue dans notre communauté, dans notre petite communauté qui commence à se forger. Au passage, les amis, n'oubliez pas que dans la description, il y a deux Discord, donc un Discord communautaire, où tout le monde peut rejoindre pour qu'on puisse tous discuter du multigaming en règle générale. Il y a le second Discord aussi de la corporation, donc que vous soyez nouveau ou ancien, que vous soyez solo ou en groupe, vous pouvez nous rejoindre via ce Discord et tout vous sera dicté pour rejoindre la corporation. À savoir qu'il y a aussi mon lien de mon code de parrainage, donc ceux qui créent un compte sur le site RSI, n'hésitez pas à mettre ce code de parrainage, ça vous donnera 5000 AUEC en plus à la création de votre compte. Donc merci à tous ceux qui le feront, et surtout, par la même occasion, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc les amis, on se retrouve sur Neymar. Donc, on est sur Tubing Mining Facility. SD1, donc tout simplement pour faire du commerce de l'or. Donc c'est un commerce qui est en soi normalement très lucratif, assez lucratif. Le seul problème, c'est le respawn et du gold qui est assez long. Donc c'est pour ça que pendant que je suis ici, j'ai envoyé un soldat à Microtech. Donc on peut le voir là. Donc merci à déjà à Ropapom de m'aider dans cette petite vidéo. Donc voilà, lui il attend à SMO 18, enfin là apparemment c'est un peu buggé à SMO 18, il n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de là où on achète l'or, mais en tout cas voilà, on va essayer de, c'est pour avoir de l'or plus rapidement en fait, voilà tout simplement parce que, regardez, moi j'ai commencé un peu vu que je suis arrivé en avance, j'essaie de remplir un petit peu, bah vous voyez là ça vient de respawn, ah bah non ça part respawn, dommage, on est toujours à 1. Là, il y a un vaisseau qui arrive là-bas. Je sais pas ce que c'est. Mais du coup, donc voilà, excusez-moi, ce que j'ai entendu les tirs, ça m'a un peu distrait. Hop, du coup, moi j'ai déjà acheté 45 SCU. Donc ça m'a coûté 200. Laissez-moi 2 secondes regarder. 265 000. Donc 5 900 par unité. Donc là, on voit bien que je suis à zéro en termes de quantité d'or. Bon, après, le problème, c'est quoi là? C'est qu'il y a toujours le côté où il y a ici qui bug. Donc, du coup, ça fait le bug comme ça. Donc, écoutez, les amis, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais continuer à essayer de charger un petit peu plus le M2 en tout cas. Et je suis à vous dès que j'ai un peu plus agrandi le stock d'or. À tout de suite, les amis. Wow. Donc, re les amis, on se retrouve juste après avoir attendu un petit peu de temps. Donc, je vais récupérer 189 de gold, ce qui est pas dégueu. Hein, c'est, j'ai pas exactement la science infuse, mais si je sors la calculette, je vais sortir la calculette comme ça au moins. Calculatrice. Tac. Donc là, on fait 5 900 fois 189 égale. On a payé 1 115 000. Donc normalement, on devrait gagner plus que ça. Tac. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir une autre page? Non, je crois pas que je peux pas ouvrir. On va faire 1 115 000. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Et en gros, là, j'étais en train de regarder pour le béryl. Est-ce que je peux acheter 172 SCU de béryl? Est-ce que c'est ce que je vais faire? Parce que voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut optimiser les trucs. Donc, hop, j'achète le béryl en même temps. Pourquoi? Parce que en fait, ça me fait gagner aussi de la thune, hein, vu que là, je vais pas attendre plus longtemps.
Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on... Moi là je vais les vendre à Area 18, c'est là où ils reprennent le plus cher l'or. Donc écoutez les amis, je lance le Quantum et au TDD... Bon, en fait, on va aller au TDD de Area 18. Donc écoutez les amis, ce que je fais, c'est que je me lance dans le Quantum pour aller à Area 18 et puis je vous reprends dès que je suis à Area 18. A tout de suite les amis. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver à Area 18. Comme en plus il y a encore les pancartes de l'Invictus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre directement la navette pour aller à l'accord Plaza, je crois. J'ai fait une vidéo sur Hardcore il y a pas longtemps et Area 18 pardon. Et je ne me rappelle déjà plus. Donc j'y suis deux. Bon. Alors deux petites secondes les amis. Hein, voilà. Je suis pas un criminel, moi, je suis quelqu'un de bien. Hop là. Paye mon amende. Voilà, comme ça. On est clean. Donc, 8. Non, c'est pas par là. Oh, je l'aurais pas. Saloperie. Bon. Bah, écoutez, les amis. A tout de suite. Donc, les amis. Je viens de prendre le tram. Donc comme je vous le disais tout à l'heure à Shipping Meaning 1 sur Daima, j'ai pris aussi du Beryl, donc forcément le revendre à Hardcore n'est pas le plus worse, hein, je le redirai, j'étais vérifié, donc c'est pour ça que je vous le dis, je me permets de vous le dire. Hardcore n'est pas le meilleur pour le... C'est même l'un des moins bien pour revendre le Beryl. Tout en faisant de l'or, autant remplir sa soute un peu plus avec du Beryl. On est toujours positif en fait. Là, je crois que je vais gagner 200 000 quasiment sur tout le Beryl que j'ai pris. Même pas 200 000, pardon. Excusez-moi. Je me suis trompé, mais comme je vous dis, autant remplir sa soute et quand même avoir du bénéfice malgré tout, parce que l'or ça va rapporter, mais en fait c'est tellement safe que ça rapporte pas énormément quoi. Donc nous voilà arrivés. Donc excusez moi j'ai fait une petite coupure entre temps, mais donc voilà, comme je vous disais, autant profiter, on va dire entre guillemets, d'être là bas pour de l'or, et autant prendre du Beryl pour pas revenir les mains vides, même si en vrai j'ai attendu même pas trois quarts d'heure pour avoir tout ce que j'ai déjà, hein. C'est quasiment 180 je crois SCU de gold, donc en soi c'est quand même assez worse. J'ai pas à me plaindre quoi. Donc on va toucher combien si je vends, donc 1,4 million. Donc, on a dépensé 1 million... Hop, laissez-moi remettre la calculette. 1 115 000. Voilà, donc ça fait un petit bénéfice de 300 000. Et comme je vous l'ai dit, en fait, c'est tellement, comment dire, facile et pas difficile, en fait. On a juste à rester sur le panneau de contrôle. Il n'y a aucun risque, vu que c'est en armistice. Il n'y a pas de... Voilà, on va dire c'est gagnant. Plus le Beryl, vous avez vu, 400 000. Ça fait encore un petit bénéf. Voilà. Donc là, normalement, je crois que j'ai passé les 17 millions. Donc, voilà. 17 273 932. Donc, écoutez, les amis, en tout cas, voilà. C'est une route commerciale qui rapporte toujours de l'argent. Et en plus, qui est très qui est lucratif, on va dire. En termes de... Si on met l'équivalent entre le risque et le gain... Ça reste une très bonne route commerciale. Ça va pas trop changer depuis, ça va. Mais si on doit comparer par exemple par rappel Pickerfield ou Marker Point, c'est des endroits qui sont totalement différents. Parce que là-bas, en fait, on peut se faire attaquer, on peut se faire PVP. Il peut y avoir des embuscades, même c'est aussi pour ça que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'avais posté une vidéo où moi et la Corpo, on allait faire du PVP sur rappel. Ce n'était pas pour rien. Et on a eu du kill, on a fait du kill. Il y en a qui ont perdu leur carrière, donc voilà, c'est aussi pour vous dire que là, on s'habitue à avoir des millions, mais par exemple, là, pour le côté de l'or, même si c'est que 400-500 000 de bénéfices, c'est déjà
énorme pour le peu de risques qu'il y a. Voilà. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Vous, surtout n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, c'est gratuit, ça vous coûte vraiment rien. Et ça coûte juste un clic, vraiment c'est deux petites secondes. Donc s'il vous plaît faites-le, vous êtes 85% des personnes à regarder cette vidéo, à regarder ces vidéos et à ne pas être abonné. Voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like, à vous abonner, un petit commentaire. Moi je prends un malin plaisir à lire vos commentaires, toutes sortes de commentaires. En tout cas, mais j'apprécie vraiment lire tous vos commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. N'oubliez pas mon code de parrainage les amis, et les Discord dans la description, et même pourquoi pas mes réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. Donc voilà les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.